Au calendrier du Rouge et Or cette semaine, deux événements à surveiller particulièrement au PEPS. D'abord, la deuxième compétition d'athlétisme de la saison du RSEQ a lieu ce samedi dès 9h30 et ce jusqu'à 16h30. L'entrée au stade couvert du PEPS est gratuite. Ça ne vous coûte également pas un sou pour venir encourager le club de badminton Rouge et Or lors de la quatrième compétition par équipe féminin et masculin de la saison universitaire, la dernière avant le championnat provincial. L'action débute à 10h30 samedi et 9h dimanche. Sur la route, l'équipe masculine de volleyball est à Fredericton ce week-end. Elle disputera deux parties interconférences samedi face à Dalhousie et UNB, à voir au austv.ca. Pendant ce temps, les volleyeuses lavalloises reprennent le collier à Ottawa samedi pour y affronter les GGs. Par ailleurs, la prévente est en cours en vue du championnat canadien de volleyball féminin. Achetez vos forfaits 3 jours à prix réduit pour l'événement de l'hiver au PEPS en composant le 418-656-PEPS. Ski de fond, le Rouge et Or amorce sa saison sur le circuit NCAA avec une première compétition à Waterville samedi et dimanche lors du Colby Carnival. Enfin, la saison universitaire de ski alpin prend également son envol ce week-end. Les femmes feront du slalom à Val-Saint-Côme, tandis que les hommes disputeront des courses de slalom géant au Mont-Garceau. Pour tout savoir sur les performances du Rouge et Or cette semaine, ne manquez pas la prochaine édition du Rouge et Or Express ce lundi. Détails sur Facebook, Twitter et au rougeetor.ulaval.ca.